Les premières minutes, elles sont importantes et les joueurs vont découvrir que l'arbitre est très tatillon. L'ambiance est superbe, le stade est vraiment multicolore, on devrait bien s'éclater. Encore une belle occasion. De Jong. Joe Bryan. Bien défendu. Farnerud. Encore une occasion de centrer. Pas de problème pour le gardien. Joe Bryan. En jeu, aucun doute là-dessus. Ballon renvoyé en arrière. De Jong. Oh, il est joli ce ballon. Lui au moins le temps. Du pied, dégagement sûr. Joe Bryan. Jalens. Bering. Farnerud. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. Ils peuvent construire quelque chose. Quelle belle demi-volée! L'entraîneur doit être très mécontent de son gardien, mais heureusement, la défense a très bien réagi sur le coup. Encore une belle occasion. Là, il s'écroule dans la surface. Elle est grossière cette faute. Pénalty accordé par l'arbitre. À mon avis, il doit se dire qu'il a de la chance parce qu'il aurait pu récolter un rouge. Il ne prend qu'un jaune. Va-t-il savoir battre le gardien et donner l'avantage à son équipe? Un but extraordinaire! On a bien vu que ses coéquipiers fermaient les yeux quand il a bloqué le péno. C'est vrai qu'il a les pieds en croissant, mais il a bien voulu le tirer. Il a frappé à merveille. Ils ont pris de l'avance, 1-0. C'est pas le moment de perdre les pédales quand même, il y a encore du temps pour revenir dans le match. La seule chose qu'il ne faut pas faire pourtant, ce serait d'en encaisser un autre. Alors il va falloir quand même un petit peu resserrer le jeu. Oh, que ça peut être dangereux sur ce coup. Bien joué de la part de la défense. Une très longue passe. Oh, ce contre, il peut mener loin. Il tente sa chance. Le goal sort et capte le ballon. Bien joué, ça peut faire un contre. C'est un ballon bien rendu. Tactiquement, sa joie c'est bien, mais maintenant l'essentiel c'est de marquer un but.
Quelle contre-attaque, ça peut être dangereux. S'il parvient à frapper, les compteurs seront remis à zéro. En jeu, il faut surveiller le placement. C'est une très jolie passe. C'est trop loin du poteau gauche. C'est dommage qu'il n'ait pas le bon geste dans la finition. C'est encore une occasion de gâcher. Le meilleur moyen de ne pas encaisser un but, c'est de garder le ballon. Biering. Jalens. Encore une occasion de centrer. Bonne interception. On peut relancer. Nouvelle occasion de centrer. Il l'a mal capté. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Jalens. Il joue l'intervalle. 15 minutes se sont écoulées. Le gardien est en danger. Trajectoire coupée par le défenseur. Oh, que ça va partir vite. Il est face au gardien. Et c'est dégagé. L'attaque ne donnera rien. Attention, ça fait longtemps que ce ballon est dans leur camp. Il faut pouvoir le dégager maintenant, c'est dangereux. Ils ont passé les lignes arrières. Va-t-il trouver la bonne trajectoire? Les supporters vont être déçus par cette frappe. À mon avis, sur ce coup-là, il y a leur explication entre le gardien et les défenseurs. Si tu laisses jouer un joueur comme ça et que tu le laisses frapper, heureusement qu'il n'a pas cadré. Farnerud. Jouez, l'arbitre n'intervient pas. Oh, ce contre, il peut mener loin. C'est une énorme occasion. Très belle ouverture. C'était trop évident. Farnerud. Encore une occasion de centrer. Le danger est écarté. Perte du ballon. Attention. Tentative de la tête. Et c'est le but. Égalisation. Franchement, on a du spectacle. C'est bien parti. Christian, c'est une belle rencontre à laquelle nous assistons. Ah, le but de la tête nous a montré quand même que le foot, ça ne se jouait pas qu'avec les pieds. Et qu'avoir la grosse tête, ça pouvait toujours servir. La foule semble extrêmement mécontente. Elle ne cache pas sa déception.
On est donc désormais sur un pied d'égalité. Voilà, c'est ça, ça va faire plaisir aux supporters, ça va les mettre en transe. Voilà, là ils sont en train de pousser leurs joueurs après avoir concédé le but, obtenir l'égalisation. Dégagement des points, corner. Ce ballon est bien haut. Encore une belle occasion. Il va frapper de la tête. On est vraiment trop loin du poteau droit. Mais comment il a fait pour atteindre comme ça? C'est impossible. Il a qu'à toucher le ballon. Oh, il a manqué la télé. Pour vous dire, ses coéquipiers s'arrachent les cheveux. La menace est écartée. De Jong. Joe Bryan. Ça peut donner quelque chose. Oh non! Les filets tremblent à nouveau. Ce n'est pas bon du tout. La défense n'y est plus. C'est une semi-catastrophe. Hey Christian, il paraît que toucher du bois, ça porte bonheur. Là, avec ce but, il n'a pas fait mentir le proverbe. Ils ont un but d'avance, 2-1. Voilà, là ils ont eu un bel état d'esprit. Ils n'ont pas baissé les bras après l'égalisation. Ils ont su revenir dans la partie, remarquer un but. Maintenant, est-ce qu'ils vont refaire la même erreur? La passe a été interceptée. Farnerud. Dans l'intervalle. C'est super dangereux, il peut marquer. C'est un corner. Forcément une occasion de but. En plein cœur de la surface. Directement dans les gants du portier. Farnerud. Ce n'est pas très spectaculaire, mais les puristes apprécieront. Le ballon circule bien et franchement, ils auront du mal à le perdre. C'est peut-être l'occasion dont ils ont besoin. Il y a du beau mouvement, de belles combinaisons, mais il faut trouver la faille. Ils ont toujours le contrôle du ballon. Il reste un quart d'heure à jouer avant la pause. Encore une occasion de centrer. Farnerud. La défense est prise à revers. Aucune difficulté pour le goal. Ouverture aérienne. 30 minutes à l'horloge dans la première mi-temps. Quand on est spectateur de ce genre de match, c'est un vrai régal. Le ballon circule bien, mais mettez-vous à la place de l'adversaire. L'arbitre assistant a levé le drapeau hors jeu. Buiri. Bon travail et bonne possession du ballon. Farnerud.
Ils n'ont pas souvent le ballon, mais toutes les occasions sont bonnes à jouer. Farnerud. La défense a récupéré le ballon. Ce contre peut amener très loin. Il lâche une frappe. Sur ce coup-là, le gardien peut vraiment remercier sa défense. Et De Jong. La défense est aux... Le gardien peut remercier son défenseur, assez efficace. Il pourrait marquer à nouveau sur cette frappe. Vous obtenez une touche dans le camp opposé. Luering. Il reprend le ballon. Il manque vraiment de coordination. La passe a été interceptée. Ouverture. C'est bien défendu, le danger est repoussé. Il lui a piqué le ballon. Bien vu. Farnerud. Luering. La défense a récupéré le ballon. C'est pas mal sur le plan défensif. Il choisit de jouer long. Farnerud. Superbe ballon. C'est dégagé. De Jong. Un seul but de différence tandis que nous approchons de la pause. Que va-t-il faire maintenant? Long dégagement en avant. Bien servi en profondeur par son partenaire. Il se défend bien. Le gardien avance et saisit la balle. Le ballon sur l'autre aile. C'est pas idiot de conserver le ballon en milieu de terrain. Ça allège vraiment le travail des défenseurs. Bien joué. Très bonne anticipation du gardien de but. Une très grande ouverture. Ne pas oublier le placement, il est hors jeu là encore. De Jong. Encore une belle occasion. Au niveau de la stratégie défensive, c'est bien joué, mais évidemment, les supporters aimeraient en voir plus. Passe en profondeur, bien vu. Il tente sa chance. Il y avait péril dans la demeure, mais les défenseurs ont bien joué. C'est un corner. Chandelle. Trajectoire coupée par le défenseur. C'est sûrement la dernière action du match. Ils ont le ballon et ils le gardent. Luering. Il gêne son adversaire et récupère la balle.
Dans la surface, c'est très chaud. Il faut la reprendre. But ! Voilà, l'avantage maintenant devient conséquent. Et à mon avis, si le gardien attend tranquillement que le ballon arrive, il ne va pas le faire avec ce genre de joueur. Au moins maintenant, il le sait. C'est vraiment son jour. On le sentait bien après le premier but. Ce doublé confirme notre impression. Une différence de deux buts, ça peut suffire. Ça, c'est une belle fin pour une mi-temps fantastique. Ils viennent de doubler leur avance. Ils ont leurs bonnes chaussures aujourd'hui. Au moins, ils les ont mises à l'endroit. Et ce but pourrait bien décourager l'adversaire. Une interception au moment crucial et un bon dégagement. C'est donc la fin de la première mi-temps. C'est reparti et l'équipe qui donne le coup d'envoi attaque de son côté favori. L'équipe mène. L'entraîneur devait être satisfait de ses joueurs. Il n'a fait aucun changement. Long ballon aérien. Farnerud. Wiering. Jalens. Il n'y a rien à dire, ils ont mis le pied sur le ballon. Celui-ci circule bien. On va peut-être voir de belles choses. Farnerud. Ballon renvoyé en arrière. Encore une occasion de centrer. Il contrôle parfaitement le jeu et l'action continue. Cette action n'aboutit à rien finalement. Pressing super efficace. Il reprend le ballon. Bien joué de la part du défenseur. Bon retournement de situation, il a le ballon. Wiering. Il lui a piqué le ballon. Le ballon est pour l'autre équipe. Jalens. De Jong. Ça, c'est vraiment du beau football. Le ballon circule bien au sol ou dans le domaine aérien. En face, ils sont perdus. Wiering. Cette attaque ne donnera rien. Bien défendu, le ballon est récupéré. Quand on est spectateur de ce genre de match, c'est un vrai régal. Le ballon circule bien, mais mettez-vous à la place des adversaires. Farnerud. Encore une belle occasion. Ça peut être extrêmement dangereux. C'est une frappe. C'est imprécis, manque de concentration. Il m'avait dit avant la rencontre, aujourd'hui tu vas voir que j'ai les deux pieds. Bon retournement de situation, il a le ballon. Pressing super efficace. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. De Jong. Il a vraiment trois poumons. Attention en défense, ça va aller très vite. Nouvelle occasion de centrer. Bonne maîtrise du goal. Joli duel, le ballon est gagné. Il est rentré dans la surface. Bien défendu.
Va-t-il y avoir but? La frappe est décochée. Ouais! Au fond des filets! Oh, qu'ils sont en forme, ces attaquants! Je connais des défenseurs bien malheureux aujourd'hui. Là encore une fois, Christian, la finition est à la hauteur de la préparation. Il faut du talent pour marquer, mais il faut de la classe pour passer. L'entraîneur apporte quelques améliorations. On est maintenant passé à 3 buts d'avance. Ah là, ils sont bien en place, on les sent bien, ils font bien circuler le ballon. Là, on peut dire qu'ils sont vraiment dans le match, ils ont une avance vraiment importante. À mon avis, ça va être dur de les rattraper. Le ballon circule, il n'y a pas de problème. Il joue le ballon, pas le joueur. Qui va le tirer ? Bien, le défenseur a le ballon maintenant. Farnerud. Et il pourrait y avoir faute, mais l'arbitre ne dit rien. Ils peuvent construire quelque chose. Il est dégagé. Bien joué. Il pourrait centrer. Bon dégagement. Yalens. Nous sommes entrés dans les 30 dernières minutes du match. Farnerud. De Jong. Et il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile. Belle passe en profondeur. Il manque de soutien ici. Ça manque de précision. Il n'a même pas la place pour passer une allumette. C'est mal joué, c'est encore trop loin du but. Il avait fait le plus dur, il s'était créé l'espace. C'est vrai qu'il était un petit peu loin du but, mais ça aurait pu surprendre le gardien. Ah, je pense qu'il aurait aimé marquer de là. Bien dégagé. Il s'est interposé au bon moment. Il renvoie le ballon au portier. Faute inadmissible sanctionnée par l'arbitre. L'arbitre va sortir un carton jaune, c'est justifié. Et le joueur a de la chance car il pouvait sortir un rouge. Il pourrait aussi l'envoyer dans la surface de réparation. Il doit tromper le gardien. Long dégagement en avant. Encore une occasion de centrer. C'est bien, il a été lucide sur l'interception, mais il faut qu'il passe le ballon maintenant. Le ballon subtilisé par l'adversaire.
C'est le défenseur qui a le dernier mot. Ils reprennent le ballon. Le contre, c'est l'arme fatale. Il a plusieurs solutions. Là, c'est carrément parti au poteau de corner. C'est impossible de marquer de la langue d'être fermée. Premier changement de la rencontre pour cette équipe. Là, il a bien fait de le sortir. Ça protège son joueur et ça calme le match. Alors, il faut jouer le ballon au coup franc. Ils peuvent construire quelque chose. Il est dégagé. Oui. Le gardien l'a détourné en corner. Le ballon est dans les airs. Trajectoire coupée par le défenseur. La faute est dangereuse, coup franc. Si près du but, il pourrait essayer de marquer. C'est bien tiré. Juste à côté du montant droit. Je ne vais rien dire, nous avons trouvé connu pour le tirer. Nouvelle occasion de centrer. Beaucoup trop dévissé à droite. On a vraiment senti ce qu'il voulait faire. Il avait la force, mais il n'avait quand même pas la précision. L'agressivité n'est pas bonne. Coup franc. Voici une belle occasion de tirer au but. Frappe dangereuse. Faut tirer une balle de golf. C'est trop faible. C'est normal de le tenter, c'est normal de le frapper de là. Mais je pense pas qu'il a réussi à faire ce qu'il voulait. Ils peuvent construire quelque chose. Pas moyen de passer cette fois. Il va prendre sa chance. Encore une occasion de centrer. Qu'est-ce qu'il peut faire? Bien défendu. Il décoche un tir. C'est vraiment loin d'être cadré et c'est le moins que l'on puisse dire. Ça, c'est vraiment la frappe ratée alors que je pense qu'il avait le temps. Du pied, dégagement sûr. Centré. Extraordinaire coup de tête. C'était une balle de but, mais il faut être précis. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Il est tellement grand que ça va être difficile de lui prendre quand même les ballons de la tête.
ils ont peut-être intérêt de se faire la courte échelle. Il essaie de marquer. Il a dégagé. Une occasion de centrer. Il tire. Ce n'est pas avec cette frappe qu'il va effrayer le gardien. Et vous avez vu comme il a éliminé, comme il s'est débarrassé de son adversaire. Malheureusement, il n'a pas pu ajuster son... On tire derrière. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. C'est bien joué en profondeur sur le côté. Quel joli coup de tête! Ce n'est pas une belle frappe, elle n'est pas cadrée. Et tu ne peux pas te permettre sur des centres comme ça de rater ta tête. Il suffit simplement de la toucher, il y a but. Il est dans la surface. Le tir a été dévié. Frappe décochée en direction du but. C'est bien vu. Oh, qui peut être intéressant ce coup franc. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Superbe tête! L'adversaire est sous pression avec cette touche. Ils peuvent construire quelque chose. Pour la défense, il s'agit là d'une remise en jeu dangereuse. Encore une occasion de centrer. Bonne réaction de la défense. Une seule minute d'arrêt de jeu. C'est terminé. Monsieur l'arbitre siffle. Il faut rentrer au vestiaire sur ce score-là.